Une haie de raquettes se dresse vers le ciel pour accueillir la personnalité préférée des Français. Yannick Noah est venu inaugurer un équipement qui porte son nom. C'est important de venir ici. Ça fait longtemps, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup travaillé pour... Ça existe, donc c'est important que je sois là. Le complexe de 3200 m² comprend 4 cours couverts, un terrain extérieur et un clubhouse. Cela valait bien une grande fête avec pas moins de 3000 spectateurs dans les gradins pour assister à un match d'exhibition entre l'ancien vainqueur de Roland-Garros et Mansour Bahrami. Ça m'a fait plaisir parce que c'est quelqu'un que j'avais jamais vu de près et aujourd'hui je le vois de près. Ah bah c'est un grand événement et c'est beaucoup d'émotions. Bah c'est une bonne, un bon lancement pour le nouveau club. Ce nouveau club promet de rendre le tennis plus accessible aux jeunes des quartiers. Le futur Yannick Noah ou la future Amélie Mauresmo donneront peut-être leur premier coup de raquette sur ces terrains, ici à Sergi.